C'est bon. Petite clap. Très faible le clap. Présente-toi. Bonjour, alors moi je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans et je suis en première année d'études en BTS audiovisuel, option image. Je m'appelle Kian Buddy, puis en option montage et post-prod. Je m'appelle Pierre Desnoux, j'ai 20 ans et je suis en BTS audiovisuel, option métier de l'image. Salut, moi c'est Florian Carès, je suis élève de Studio M en première année, en option métier du son. Bonjour, je m'appelle Loïsa Le Floch, j'ai 18 ans et je suis en BTS audiovisuel à Vannes en option image. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans, je suis en BTS audiovisuel à l'école de Studio M. Et je suis en montage et post-production. Quel a été ton rôle sur le projet? Alors moi, mon rôle sur le projet, c'était acteur, c'est moi qui faisais la scène des explosions. Et je jouais du coup le rôle du monteur vidéo. J'ai pu participer aux réunions pour la production, au tournage aussi, avec un peu de cadrage, où j'ai pu jouer du coup le rôle de l'enfant mystère. Et aussi à la fin, sur l'étalonnage. Alors sur le projet, j'ai fait l'actrice, et j'ai aussi pu faire quelques voix off. Alors mon rôle sur le projet, ça a été, j'ai fait les caméras, la réal un peu. On a aussi fait les réunions pour le scénario du projet et j'ai fait le montage vidéo. Alors moi, j'ai été acteur, je me suis occupé un peu du son, de la réalisation aussi, et voilà, j'ai participé aux réunions. Pendant ce projet, j'ai pu cadrer une partie du tournage et j'ai aussi participé aux réunions et à la création du projet. Qu'est-ce que t'as apporté le projet ? Le projet m'a apporté pas mal de choses. Déjà, on a formé une super équipe tous ensemble. Et je sais qu'on va pouvoir travailler par la suite sur d'autres projets, ça va bien se passer. Alors, le projet m'a apporté beaucoup de bons moments, très sympas. Et puis aussi de nouvelles connaissances sur tout ce qui est un peu acting et puis même doublage surtout, je ne connaissais pas du tout. Et c'était vraiment super. Le projet m'a apporté beaucoup d'expérience. Beaucoup de stress aussi. Alors les compétences que ça m'a apporté, il y a la colorimétrie sur le montage. Ça m'a apporté énormément d'expérience de participer à ce projet parce que ça nous permet d'être vraiment dans un vrai projet et de vraiment d'y participer à fond, du début et de l'idée à la fin de la diffusion. Alors ça m'a apporté de l'expérience sur le terrain parce que d'être acteur, j'ai pu observer comment se passait un tournage et tout, j'ai un peu aidé à faire la sécurité et tout ça et tout. Est-ce que tu es confiante pour le trophée ? Alors oui, pour le trophée, je suis plutôt confiante. Je suis très fière du travail qu'ont fourni mes collègues, ces boss. Franchement, c'est bien parti. Ça va, je suis assez confiant pour le trophée. Je trouve qu'on a fait un bon travail pour le film Ta Formation. Non, pour le trophée, ouais, je suis confiant. Même harmonie avec les dessins, etc. C'est vraiment, vraiment top le rendu et trop cool. Oui, je suis assez confiante parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment quelque chose où on est tous fiers. Donc je pense qu'on peut aller très loin et le rendu rend bien. Alors confiant, oui, parce que je sais que j'ai des potes, ils sont en béton. Et moi aussi, je suis en béton. Et du coup, ça fait du béton armé et je pense qu'on peut tout déchirer. Mais non, en vrai, c'est stylé mes punchlines. Non, frère. Ouais, franchement, je suis assez confiant. On s'est pas mal donné, Grand Rex. On a vraiment tous été super et on peut s'applaudir là-dessus, je pense. Et un petit mot de la fin? Des explosions! Merci à tous. Je savais pas quoi dire. On est fous, quoi, là? Un petit mot de la fin? Ok. Parfait, on coupe. C'est encore mieux. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin, moi? Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Le mot de la fin. Non, je veux dire. Je le veux. Allô, Grand Rex? Ouais, on arrive. Ah oui, j'ai 19 ans et j'ai fait le doublage aussi. Bisous.